Tunisien s'est levé ici à Nice. Il a tué les gens dans une église. On ne vous a pas vu parler ici. On vous a même pas vu parler ici. On vous a même pas dit un seul mot. Fernand, attends, laisse-le finir après. Si vous êtes des garçons, là, prenez vos téléphones, il faut nous obliger à prendre vos positions. Prenez vos téléphones. Mousto, va Mousto, je vais te mettre. Vous êtes qui pour nous dire de prendre des positions pour toi, tu es qui pour nous dire donc, il faut faire ce que l'on a dit de faire. Aris, Mousto, Mousto, je t'aime. Mousto, moi je t'aime. Allez, Mousto, j'ai fini là-dessus, j'ai fini. Les gens n'ont pas mon discours comme ça. S'il vous plaît, personne ne le coupe. S'il vous plaît, personne ne le coupe. C'est une victime en plus, c'est ça le pire. Attends, pas qui. Moi je suis une victime, je ne suis pas une victime. S'il vous plaît, bon. Voilà, je ne suis pas hypocrite et je suis réaliste. Point barre. J'ai été victime au Maghreb. Allez, s'il te plaît, personne ne le coupe. Bakem, pour te dire, je suis victime, effectivement, j'ai été victime au Maghreb. Alors, mais moi, pour ça, je suis avec toi, mon frère. Si tu me dis ça, moi, sur ce combat-là, on continue. Attends, je vais pas dire. Baki, laisse-moi finir. Sinon, on ne va jamais avancer. Pardon, laisse-moi finir. Baki, laisse-moi finir. Après, tu rebondis, s'il te plaît. Baki, laisse-moi finir. Allez, allez-y, Mousto. Pour te donner un exemple, il y a un frère qui a été tué pour 5 euros par un Algérien. Et puis, j'ai vu des lives où ça disait que ça a été bien fait pour lui. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Les gens qui font des lives pour dire que le frère a été tué par un maghrébin, ça a été bien fait pour lui. Et encore, au jour d'aujourd'hui, on a aussi une vidéo qui tourne. Moi, on m'a envoyé la vidéo personnellement. En Algérie, les policiers algériens, ils ont fait quoi? Ils ont pris des gens, allaient les emprisonner dans le chaleur là. Et puis, il y a eu combien de morts? Plus de 10 personnes, c'est des policiers qu'ils ont fait, hein. Et moi, je vois live de la vidéo, s'il te plaît, Mousto. Roro, je t'ai envoyé. Regarde ton WhatsApp, tu vas voir. Attends, je t'ai envoyé. Je finis, je vais vous envoyer. Je vois aujourd'hui, il y a des maghrébins qui pleurnichent que les policiers algériens sont bons que les policiers français. J'ai vu des lives là-dessus où ils se disaient que les policiers algériens, ils sont bons que les policiers français. Pendant ce temps, vous tuez les gens, vous prenez les gens, allez les jeter dans le désert. C'est l'hôpital qui se fout de la charité ou c'est quoi? Vous pouvez répondre. Moi, je ne vais pas aller casser. Attends qu'ils finissent d'abord. Moi, je ne vais pas aller brûler les tramways ou un maghrébin. Point, je m'arrête là. Bon, vous voulez quoi? Répondre. Vous voulez nous dire quoi ici? Bon, moi, on a un autre frère qui a été tué. Qui? On a vu quel maghrébin? Ok. Qui? Ok, ok, Baki, je vais te mettre grand, s'il vous plaît, personne ne va le couper. Ok, après, bon. Les gens qui sont très mauvais dans leur pays, c'est eux, vous voulez les soutenir ici. Ceux qui parlent, c'est pas les pays maghrébiens. Donc, nous, on a fait pays maghrébiens. Je peux répondre. Alors, vous parlez de quoi là? Je suis là, le noir qui n'a pas le droit de parler. Le noir, il n'a même pas le droit d'aller à la police. Moi, j'ai vécu ça. Moi, j'ai vécu ça. Après, vous avez venu me dire que allez-y brûler le point des Français pour vous. Je vous qui parlez là. Moi, je ne fais pas ça. Il m'a grippé un jour. Ça y est, on a compris, on peut répondre. Non, mais laissez les gens s'exprimer. Ah, bah, qui s'abuse. J'ai écouté depuis tout à l'heure. En France, vous êtes trop à l'aise. Ceux-là, il n'y a pas plus raciste qu'au monde. Au monde, bien dit au monde. Allez-y, en Tunisie. Allez-y, dans les pays maghrébins, vous allez comprendre. Laisse-moi t'exprimer mon propos. Laisse-moi m'exprimer. S'il te plaît. Attends, on va finir. Attends, moi j'ai fini et puis je vous donne la parole. Alors, moi je vous dis simplement, je suis désolé pour tout le monde. Je suis de Aris. Ça, moi je vais t'envoyer un message en privé. Toi et moi, on va régler pour nous. Et dis-moi, je m'en fous de votre position concernant la mort de cet enfant. Ma position est claire. Je suis pour cet enfant aujourd'hui. Je suis pour lui demain et après demain. Et personne ne peut me faire quelque chose. Rien. Les gars, rien. Il faut tapoter là. Face à moi, si à part les réseaux sociaux, si tu es en face de moi, je vais baiser ton cul, toi. Toi, tu vas baiser ton cul. Wallahi, wallahi. Wallahi, je joue sur la tête de ma mère. Je vais te baiser dans ma femme. Wallahi, billahi. Je vais te frapper comme mon enfant, billahi. Toi, tu peux frapper qui? Ou bien tu vas être ami photo que tu es en forme, tu parles parole sur la toi? Bon, écoutez. Laissez-moi répondre.
Attends, écoutez, s'il vous plaît, les gars, on est tous le même combat. Faut pas aller comme ça, s'il vous plaît. Chacun doit dire son idée, s'il vous plaît, pas ça. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà. Baki, tu peux rebondir, s'il te plaît, vas-y, je te mets grand. En tout cas, Moustou, pour que tu me comprennes bien, moi, si demain tu me dis que tu as vécu une injustice au Maghreb, si tu me dis qu'on doit se combattre contre ça, je suis le premier avec toi. Moi, j'ai pas de souci avec mon ça. Mon frère, moi, j'étais dit. Attends, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Si tu as subi une injustice au Maghreb, moi, je serais le premier à dénoncer. J'ai aucun problème avec ça. Moustou, on a beaucoup dénoncé ici. On a beaucoup dénoncé ça ici. Il y a tes frères même qui combattent Petit Doula et Jean-Marc. Mon frère, dis-moi que tu vas dire à la maison, c'est pas pour le reprendre après ou pas? Attends, si tu veux parler. Moi, toi, hypocrite, c'est pas bien. Tu vas le reprendre après ou pas? Tu vas dire à la maison. Ma position claire. Tu vas prendre. Oh, bah, vas-y, je vais juste terminer. Vas-y, reste, t'inquiète. On a des rôles avec les Petit Doula qui sont menacés. Vas-y, mais laisse-moi terminer. Tu vas comprendre ma position claire. De nuit au jour. Oh, vas-y. Moi, je suis en train de te dire que si tu subis une injustice avec toi, ça, il n'y a pas de souci. Mais à partir du moment où tu montes dans un live, où il y a un jeune maghrébin qui est mort, et d'ailleurs, il est mort, mais il y avait son ami qui était derrière, là. C'était un noir, hein. C'était un noir, déjà, du midi. C'était trois dans la voiture. Il y avait un noir, un arabe, et le troisième, je sais pas c'est qui. Mais maintenant, si tu me demandes d'aller dans un live pour cracher ma haine et dire non, mais lui c'est un arabe, alors c'est pas notre problème, faut pas qu'on s'occupe de ça, moi je serais jamais d'accord avec toi. On parle d'humanité là. Le petit il est mort, son corps il est même pas encore sous terre, t'es déjà en train de dire non, mais lui c'est pas. Elle est noire, votre humanité vous a mené où, maman? Votre humanité vous a mené où? Mais tu parles d'humanité. Moi, moi aussi, je suis pour l'humanité. Je vais pas mentir. Dans tous les cas, moi, il y a avoir des atrocités partout dans le monde. Je lâcherai jamais mon humanité. Toi, tu peux rester dans ta haine, mais moi, je resterai dans mon humanité. C'est comme ça. C'est tout. C'est là, au pays, au bout d'un pays, tu fais un mouton. Attends. Bon, vas-y, Non, j'ai juste un mot. Adès, s'il te plaît, juste un mot. Vas-y, dépêche, il y a des demandes, vas-y. Oui, je vais me muter. Et puis, moi, j'ai fini là, je descends. Baker. Ouais. Bon, mon frère, je te jure, au nom de tout ce que je cherche, est-ce que tu sais qu'il y a une vidéo qui tourne actuellement où on a nos grands-mères et nos grands-pères? Ils sont foutus au dehors en Arabie Saoudite par leur couleur de peau. Est-ce que tu as vu la vidéo? Non, j'ai pas vu la vidéo, mais c'est quoi le contexte? En Arabie Saoudite, pourquoi? Je sais pas. De toute façon, il y a une vidéo qui tourne où ils ont. Les gens dorment dehors. Non, mais faut faire attention aux vidéos. Franchement, je connais pas la vidéo, je peux pas te répondre sur ça, je ne sais pas. Voilà, donc, je vais pas dire si c'est vrai ou c'est pas vrai, je ne sais pas. Si tu vois les gens qui ont la haine contre ces gens-là, il faut pas les accuser pour rien. Moi-même qui n'étais pas là, j'ai vécu ce jeu, je sais comment ils sont. Je sais comment ils sont, mon frère. Je sais ce qu'ils m'ont fait subir. Moi, mon frère, il y a une chose. Tu viens quand tu veux, vas-y. Oui. En tout cas, moi, la réalité qu'on connaît ici en France et la réalité que nos frères en Afrique y subissent, ce n'est pas la même. On ne va pas se mentir, ce n'est pas la même. Après, une chose n'empêche pas l'autre. Il ne faut pas nier la réalité que nos frères là-bas y subissent. Quand ils passent par les pays maghrébins, c'est vrai qu'il y a des choses, c'est inacceptable et il faut le dénoncer tous les jours. Mais emporter cette haine qui vient de là-bas jusqu'ici, ce n'est pas une chose à faire aussi. Ce n'est pas une chose à faire, voilà. Merci beaucoup, frérot. Merci. Hein. Bon, je pense que c'est le problème, c'est quoi, Maki? Le problème, c'est quoi? Il y a la lutte de la négrophobie et il y a la mort d'un enfant. Ça n'a rien à voir. Exactement. L'enfant, il a été tué par la police. Ça n'a rien à voir avec la lutte de la négrophobie. D'accord. Okay. Je vais vous dire une chose. Adès, toi, tu as ta femme ici, tu as tes enfants ici. Il ne faut jamais soutenir des bêtises comme ça, je vais te dire, mon frère. Il y a la femme qui a perdu son enfant. Que Dieu nous épargne. Ça peut t'arriver demain. La même chose. Moi qui suis en train de te parler, ça peut m'arriver demain, mes enfants. Est-ce que tu vois? Là, on parle de la police qui assassine. Est-ce qu'on parle de la négrophobie? Les gens, ils essaient de mélanger tout. C'est quoi les rapports entre la négrophobie
et la violence policière.